plusieurs années. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui est la toute première université de la République de Guinée, connaît de profonds changements, parmi lesquels l'extension de notre université par la construction d'un bloc administratif, des laboratoires de travaux pratiques, des amphithéâtres et autres salles d'études, la mise en place d'un conseil d'administration, la transformation de la faculté de médecine, pharmacie, odonto-stomatologie en faculté des sciences et techniques de la santé, l'ouverture d'un centre d'excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. De plus en plus, les travaux de recherche développés par ces chercheurs et enseignants-chercheurs en collaboration avec des institutions étrangères aboutissent à d'excellents résultats scientifiques. En effet, Excellences, Monsieur le Président, chers invités, depuis mars 2015, les projets de recherche développés en Guinée par des chercheurs de l'IRD, de l'INSERM et de l'Université de Montpellier, en collaboration avec des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'UGAN, nous permettent aujourd'hui de tenir ce discours dans le premier centre de recherche clinique dans la capitale Conakry. On se rappelle que la première pierre avait été posée en novembre 2016 par vous-même, Excellences, Monsieur le Président de la République, en présence de M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères d'alors et du Développement international de France. Avant même son inauguration, le CERFIG a organisé entre janvier et février de cette année une formation sur la réponse aux épidémies, formation qui a regroupé une vingtaine de jeunes enseignants-chercheurs venus de 10 pays d'Afrique francophone. Il accueille actuellement des étudiants guinéens et étrangers en master et en doctorat, parfois co-encadrés par des enseignants du Nord. Nous sommes convaincus que ce centre contribuera à l'amélioration de la visibilité internationale de notre université à travers la qualité de sa production scientifique et l'encadrement dont bénéficieront nos étudiants en spécialisation. Notre souhait est donc de le voir grandir, s'épanouir et que sa réputation parte au-delà de notre université. Excellences, Monsieur le Président, nous comptons sur votre soutien habituel pour la promotion de la recherche et la pérennisation des acquis de ce nouveau centre que vous nous faites l'insigne honneur d'inaugurer ce matin. Ce soutien mettra en avant, j'en suis sûr et certain, l'enseignement et la recherche sur des maladies infectieuses dans notre pays. Vive le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Vive la population guinéo-française. Je vous remercie. Dans le post-Ebola, c'est-à-dire dans la capacité de répondre à de nouvelles épidémies à travers le renforcement des structures, la formation, la recherche. À peine né, ce centre a déjà eu un impact, puisque c'est ici qu'a eu lieu, entre autres, et on l'a dit, le suivi des survivants d'Ebola. Si en Guinée, on parle de post-Ebola, Ebola reste une réalité dans le monde, et en particulier aujourd'hui, au Congo, où sévit la plus importante épidémie que ce pays n'ait jamais connue, plus de 1500 cas, une quinzaine de cas tous les jours. C'est l'occasion de rappeler peut-être qu'aujourd'hui, les stratégies déployées au Congo sont directement issues des leçons apprises en Afrique de l'Ouest et tout particulièrement en Guinée. Le vaccin, par exemple, qui est aujourd'hui utilisé au Congo, a été validé en Guinée. La prise en charge des survivants, réalisée ici à travers le projet Post-Ebogi, a permis de définir le standard de soins et de prévention, puisqu'on a montré en Guinée qu'il pouvait y avoir des cas de transmission secondaire sexuelle à partir de survivants guéris. La liste est longue des acquis qui illustrent l'importance de la recherche pour la santé publique et le rôle du CERFIG dans ce contexte. Ce bâtiment ne serait rien, bien sûr, sans les hommes et les femmes qui y travaillent et qui font et qui feront du CERFIG un centre d'excellence. Je voudrais citer la jeune génération de scientifiques guinéens sans lesquels ce centre n'aurait pas existé. Le professeur Abdoulaye Touré, tout jeune nommé du CAMES en santé publique, le docteur Alpha Kabine Keïta, ambassadeur du Next Einstein Forum, microbiologiste, et pour la recherche clinique, le professeur agrégé d'infectiologie, le professeur Sadio Sow du CHU de Nantes. Pour sa réalisation, ce centre a bénéficié d'une convergence ou également de soutien majeur. Je voudrais tout particulièrement remercier M. le recteur, Doussou Lansiné Traoré et le secrétaire général de l'époque, le professeur Mamadi Keïta, qui en un temps record ont apporté une contribution majeure du côté guinéen. Côté France,
Le professeur Jean-François Delfrécy, à l'époque directeur de la Task Force Ebola, a apporté un soutien enthousiaste et immédiat qui a été ensuite relayé par l'INSERM, l'IRD, l'Université de Montpellier et bien sûr avec le soutien de l'ambassade de France. Au total, des moyens, mais surtout une volonté politique et une génération de jeunes scientifiques guinéens engagés qui font qu'en un temps record, ce centre a été opérationnel. En mon nom personnel et au nom des chercheurs de mon unité, je voudrais souligner le plaisir et l'honneur d'avoir pu contribuer à la mise en place du CERFI. Excellences, Monsieur le Président, je ne saurais terminer en vous remerciant très sincèrement. Le 11 novembre 2016, vous avez posé la première pierre et je m'en souviens en nous disant « Je serai là pour suivre et pour l'inauguration ». Votre engagement pour le CERFIG a été un moteur déterminant pour sa finalisation. Nous vous en remercions. Permettez-moi tout d'abord de vous faire part, au nom de l'Institut de Recherche pour le Développement, de nos remerciements les plus chaleureux pour cette invitation à l'inauguration du Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée. Notre PDG, le professeur Jean-Paul Moati, n'a malheureusement pas pu, à son grand regret, se joindre à nous aujourd'hui et il m'a chargé de représenter l'IRD. Comme vous le savez, l'amélioration de la santé implique aujourd'hui de faire face aux défis de la transition épidémiologique. Cette dernière est marquée par le développement rapide de pathologies chroniques et non transmissibles, ainsi que pour ce qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, la persistance, l'émergence ou la réémergence de maladies infectieuses qui représentent des enjeux majeurs de santé publique dans la zone intertropicale, mais également au niveau international. En tant que tout premier centre de recherche clinique sur les maladies infectieuses en Guinée, fruit de notre engagement conjoint dans la lutte contre le virus Ebola, je tiens à vous présenter nos chaleureuses félicitations pour l'aboutissement de ce projet phare qui, dans ce contexte de transition épidémiologique, apporte des atouts cruciaux pour l'avenir de la Guinée et bien au-delà. Mes félicitations vont également aux services et partenaires qui ont été au cœur de ce projet. Le service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital national d'Onka, l'Institut national de santé publique et l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ainsi que bien sûr mes collègues de l'Institut de recherche pour le développement, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et de l'Université de Montpellier. Je tiens à souligner le caractère exemplaire de ce partenariat. Modèle cher à l'IRD, ce partenariat s'est développé à travers une collaboration scientifique équitable avec les communautés d'enseignement supérieur et de recherche de la Guinée, une science ouverte sur la société pour éclairer et trouver ensemble des solutions aux défis du développement durable. Car la santé est bien entendu un élément crucial du développement durable. L'un ne va pas sans l'autre. L'épidémie de maladie à virus Ebola, comme vous le savez, a mis en évidence l'impérieuse nécessité de développer des structures intégrées de recherche et de prise en charge médicale des maladies infectieuses. Le CERFIG se structure autour d'une composante clinique qui inclut des salles de consultation médicale, de prélèvement, des espaces d'échange avec les travailleurs psychosociaux, avec les associations de patients, une pharmacie, qui assurera une prise en charge optimale des patients, complétée par une composante recherche et analyse qui lui est intrinsèquement liée, avec un étage accueillant les bureaux des chercheurs, des enseignants-chercheurs, la salle de formation et le laboratoire. Ce continuum entre les patients, l'analyse et la recherche pour arriver à mieux comprendre les pathologies émergentes constitue l'atout clé de ce centre qui assurera à la Guinée, j'en suis convaincue, un positionnement central dans le combat contre les maladies émergentes. Cette intégration constitue l'ADN de ce centre et permettra également d'éclairer au mieux les décisions de santé publique. Elle permettra d'avoir une recherche médicale tournée vers l'action pour déceler et répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à l'émergence de nouvelles maladies. L'atelier international de formation sur la réponse aux épidémies en Afrique, qui s'est tenu en janvier de cette année, s'inscrit pleinement dans cet élan de recherche ouverte et interdisciplinaire. Dans le cadre du CERFIG, cet atelier a permis de rassembler des participants venant de 9 pays d'Afrique francophone, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Sénégal,
le Mali, Madagascar, la République centrafricaine et bien sûr de la Guinée, pour parler épidémiologie, modélisation, sociologie de la santé et enrichir leurs connaissances multiples de terrain. Pour illustrer la force de l'interdisciplinarité, je veux mentionner ici le rôle crucial joué par les anthropologues de l'unité de recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses, trans-VIH-MI, dans la gestion de la crise Ebola et dans le suivi des patients survivants, apportant ainsi des informations cruciales pour la gestion de ce type d'épidémie. J'en profite ici pour renouveler toutes mes félicitations au directeur de cette UNI, Éric Delaporte, que vous venez d'entendre, et pour toute l'équipe, pour ce travail remarquable et cette passion, moteur de ce partenariat qui nous conduit aujourd'hui à cette inauguration. Cette façon de faire de la recherche va perturber, notamment à travers le programme structurant et interdisciplinaire lancé par l'IRD sur le contrôle des maladies transmissibles infectieuses endémiques, émergentes et réémergentes, ou en voie de chronicisation. Parce que c'est ainsi, grâce à une recherche tournée vers l'action, ancrée sur le terrain et au milieu de ses acteurs, appuyée par des approches interdisciplinaires et ouvertes, que nous avons une chance de pouvoir apprendre et répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le CERFIG s'inscrit pleinement dans cette belle dynamique, ainsi que dans une stratégie de renforcement des capacités et d'excellence scientifique, éléments qui sont, pour l'IRD, au cœur des enjeux du développement durable. Je suis donc particulièrement heureuse de pouvoir fêter avec vous l'inauguration du CERFIG en nous projetant ensemble vers le bel horizon qu'il nous permet d'entrevoir. Je vous remercie de votre attention. Je venais d'arriver à Conakry lors de la pose de la première pierre le 11 novembre 2016 par le président Alpha Condé et le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Jean-Marc Ayrault. La construction de cet édifice a été financée, ça a été rappelé, par l'État français avec l'appui de la Fondation Buisson-Bertrand, de l'Université de Montpellier, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM. Ce projet atteste de manière remarquable l'engagement de l'équipe France en faveur du développement de la Guinée, de la recherche scientifique et de l'amélioration du système de santé du pays. Conçu dans le contexte dramatique de l'épidémie à virus Ebola, le CERFIG qui nous rassemble aujourd'hui est désormais bien ancré dans le paysage universitaire et dans l'environnement de la recherche scientifique guinéenne. Et à cet égard, l'IRD et l'INSERM n'ont pas attendu la fin des travaux du bâtiment et la cérémonie officielle d'aujourd'hui pour lancer rapidement les premiers projets dont je vais rappeler les principaux. Le projet post-Ebola, le plus ancien qui touche à sa fin, qui a été consacré au suivi des guéris d'Ebola en vue d'évaluer sur 3 ans l'évolution de la charge virale chez les patients. Les projets Contact Ebola et Contrôle Ebola ont, eux, été consacrés au suivi des personnes qui ont été en contact avec les malades d'Ebola. Aujourd'hui, les chercheurs de l'INSERM et de l'IRD insérés au sein du CERFIG conduisent aussi d'autres projets comme Réservoir et Ebo Sursis, qui visent l'un et l'autre à déterminer le réservoir animal du virus Ebola. À cet égard, je rappellerai que le projet Ebo Sursis, financé aussi par l'Union européenne, s'inscrit dans un partenariat élargi au Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, et élargi à l'Institut Pasteur de Guinée. Enfin, un nouveau projet, Ebo Health, financé par l'Université de Montpellier, coordonné par le professeur Delaporte, présent parmi nous, je salue, ambitionne de comprendre l'émergence et la dissémination des maladies virales d'émergence. Ce dernier projet est exemplaire de ce qu'apporte déjà le CERFIG au développement de la recherche médicale entre nos deux pays. En effet, ce projet inclusif permet la collaboration active de nombreux partenaires de haut niveau, en Guinée d'abord, l'hôpital Donka, l'université Gamal Abdel Nasser, l'Institut National de Santé Publique, le Laboratoire Central de Diagnostic Vétérinaire, et en France, l'IRD, l'Université et le Centre Hospitalier de Montpellier, l'INRA, le CIRAD, mais aussi le CNRS et AgroParisTech. Excellence, Monsieur le Président, vous pouvez le constater, grâce aux efforts conjugués de nos deux pays, le CERFIG est devenu en peu de temps un acteur indispensable pour la recherche guinéenne et un partenaire qui compte au sein de la recherche internationale. Ce que nous faisons ensemble, c'est pour garantir à la Guinée un avenir meilleur.
Et à cet égard, le CERFIG et les instituts français de recherche en Guinée ont fait le pari de la formation des jeunes chercheurs. C'est un pari sur l'avenir. C'est un pari qui doit être gagnant-gagnant. Et en cela, l'implantation du CERFIG au sein même de l'université Gamal Abdel Nasser lui donne tout son sens. Depuis que le CERFIG est opérationnel, l'IRD, l'INSERM, l'Université de Montpellier ont créé un diplôme interuniversitaire en santé globale et envisagent de mettre en place un master en microbiologie qui associera des chercheurs guinéens et français sur des thématiques et avec des exigences communes. Grâce au CERFIG, à l'IRD, à l'Université de Montpellier, avec le soutien de l'ambassade de France, 4 étudiants guinéens effectuent actuellement un master en France. Un autre y prépare un doctorat. Et par ailleurs, 4 biologistes de l'Institut National de Santé Publique ont bénéficié de stages de formation en France. Enfin, 4 autres stagiaires de l'Université Gamal Abdel Nasser ont été accueillis au CERFIG. La coopération franco-guinéenne en matière de recherche de santé portée par l'IRD et l'INSERM à travers le CERFIG se traduit aussi par de nombreuses publications qui permettent à la recherche guinéenne de prendre sa place dans le débat scientifique international. Depuis 2015, 11 articles ont été publiés dans des revues internationales à comité de lecture, tandis que plus de 20 communications ont été effectuées à l'occasion de rencontres scientifiques. Permettez-moi enfin de rappeler les autres projets conduits par ces fleurons de la recherche française en Guinée. L'IRD conduit en effet un important projet de lutte contre la trypanosomiase humaine, pour lequel il a convaincu plusieurs partenaires, comme la Fondation Bill et Melinda Gates et Wellcome Trust H3 Africa. Pour sa part, l'INSERM poursuit un projet ambitieux de recherche vaccinale contre Ebola, concernant aussi la Sierra Leone et le Liberia, en partenariat avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le National Institute of Health, l'Université d'Oxford et la Société Janssen. Excellences, Monsieur le Président de la République, je suis heureux et fier que la France ait su accompagner la Guinée à la fois dans la lutte contre le fléau d'Ebola, mais aussi dans le renforcement de la réputation internationale de la recherche guinéenne sur les maladies infectieuses. Je suis convaincu que le CERFIG, avec l'engagement de l'IRD, de l'INSERM, de l'Université de Montpellier, se révélera un formidable outil de coopération entre nos deux pays au service de la recherche et de la population guinéenne. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement, saluer chaleureusement les responsables de l'IRD et de l'INSERM qui ont eu foi dans le projet du CERFIG, sans oublier naturellement les autorités guinéennes. Monsieur le Président de la République, pour son impulsion, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le Ministre de la Santé, pour leur engagement constant, Monsieur le Recteur de l'Université Gamal Abdel Nasser, pour ses inlassables efforts et louables efforts dans le suivi, la mise en œuvre concrète de ce nouvel outil de recherche. Enfin, tous nos voeux de réussite et de succès au directeur du CERFIG, le professeur Abdoulaye Touré. Vive le CERFIG, vive la coopération franco-guinéenne. Je vous remercie. Ces projets qui tournent autour de l'enseignement, de la recherche, ont permis la création du centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, qu'on appelle CERFIG, que le président va inaugurer tout à l'heure, au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce centre à vocation sous-régionale, je précise, c'est un centre à vocation sous-régionale, favorisera une recherche pluridisciplinaire par la conception et la mise en œuvre des projets de recherche clinique dans le domaine des maladies infectieuses et facilitera également la formation par la recherche et l'accueil des chercheurs guinéens et étrangers. Il sera également un des sites d'application du Centre d'excellence africain de prévention et de contrôle des maladies transmissibles que la Guinée a eu l'honneur de recevoir, suite à la sélection bien sûr, avec la Banque mondiale et plusieurs autres pays africains. Par son caractère transversal et la qualité des chercheurs qui y travaillent, le CERFIG pourra dans un bref délai, j'en suis sûr, apporter une contribution significative dans l'amélioration de la qualité scientifique des travaux de recherche réalisés dans notre université. Monsieur le Président, chers invités, pour permettre au CERFIG d'être efficace et de tenir la compétition internationale dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses, nous devons le doter
des statuts juridiques qui lui confèrent une autonomie de fonctionnement et une ouverture à l'international. Bien avant son inauguration, les travaux scientifiques réalisés dans ce centre ont fait la fierté de notre pays sur le plan international et ses acquis ont besoin d'être pérennisés. Pour cela, il faut un soutien fort de l'État en y affectant du personnel de qualité et en lui donnant les moyens nécessaires pour son fonctionnement. Notre département s'est engagé à soutenir ce tout jeune centre dans cette démarche. Nous accompagnerons également le CERFIC dans ses initiatives de collaboration avec les centres et institutions de recherche en Afrique et ailleurs dans le monde. Monsieur le Président, ces initiatives sont la matérialisation de vos orientations stratégiques qui visent à ouvrir le pays vers l'extérieur, en particulier dans le domaine scientifique, dans un contexte post-Ebola. Avant de terminer, Monsieur le Président, permettez-moi de magnifier la coopération entre la Guinée et la France qui, à travers la Task Force Ebola, a permis la construction de ce centre. On l'a rappelé tout à l'heure, vous y étiez il y a plus de 2 ans avec le ministre français des Affaires étrangères pour poser la première pierre de ce centre. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les institutions de recherche et de formation dont l'apport financier technique a permis de rendre ce projet vivant. Il s'agit de l'IRD, de l'INSERM, de l'Université de Montpellier et de l'Institut Bousson-Bertrand. Je voudrais rendre un hommage au professeur Delaporte qui est là pour tout l'appui qu'il a porté. Il était constamment sur le terrain en train d'appuyer nos équipes pour que ce centre voit le jour. J'espère que ce centre permettra de renforcer les liens existants entre la Guinée et ses institutions et surtout de développer un partenariat durable et gagnant pour chaque partie dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Je vous remercie. Chers étudiants de Gamal, nous sommes très heureux d'inaugurer ce matin ce centre qui est un bijou offert par la France. Je veux dire que l'Ebola nous a beaucoup fatigués, mis notre pays, notre famille à terre. Mais que l'Ebola peut être une chance pour nous. Car en tirant les leçons de la situation de nos hôpitaux et surtout de nos laboratoires, nous avons pu aujourd'hui faire en sorte que nous soyons capables de faire face à notre épidémie. Je ne sais pas qu'il y ait des épidémies en Guinée, mais aujourd'hui nous sommes en mesure de faire face. Et cela grâce à nos partenaires français. Je sais que la France nous a beaucoup accompagnés pour lutter contre le Ebola. N'oublierons jamais que le président français est venu lui-même visiter l'hôpital Donka et aller saluer les malades, ce qui était un courage exceptionnel. Et nous avons aussi l'accompagnement de l'Institut Pasteur. Nous espérons bientôt inaugurer aussi le bâtiment de l'Institut Pasteur. Parce que si nous avons des laboratoires, l'Ebola ne serait pas étendu. Il serait resté seulement à Guinée. Malheureusement, il a fallu que les malades viennent à Conakry qu'il y ait des morts et qu'on envoie le virus à Dakar, à l'Institut Pasteur, pour savoir effectivement quel était l'Ebola. Aujourd'hui, notre système sanitaire est de plus en plus performant. Nous avons dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui des centres de santé améliorés, car l'Ebola a montré qu'il faut soigner les malades au plus proche de chez eux. Par déplacement, a entraîné beaucoup de fantasmes. Et nous sommes en train d'avoir un autre docteur performant, comme l'hôpital Donka et l'hôpital Sino-Guinée, etc. Nous remercions particulièrement nos partenaires français pour cet accompagnement et l'importance de l'intensité de la coopération entre nous. Et j'espère que, monsieur l'ambassadeur, nous aurons l'occasion d'inaugurer ensemble le futur institut Pasteur qui va parachever le système de recherche en Guinée. Merci.